Pourquoi je fais ce genre de vidéo? C'est parce que, gars, il faut qu'ils aient une conséquence par rapport à leurs actions. Il n'y a pas de. Toutes les filles ne sont pas gentilles, comme tous les gars ne sont pas gentils. Voilà. Il faut juste arrêter ça. Il faut arrêter de taper sur les hommes. Tous mes problèmes viennent des hommes. Tout, je ne peux plus vivre sans les hommes. Alors que tu n'arrêtes pas de tout faire pour pouvoir avoir leur attention. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Si tu viens d'arriver, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mets un petit j'aime, abonne-toi. Et si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passe à l'action, crée ta vue sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Et la deuxième chose que je te propose, c'est ma formation pirate marketing. Ça, tu connais déjà. Où je te montre toutes les stratégies, où je te comment atteindre au minimum les 5K par mois. Dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, les startups, comment investir les startups, les crypto-monnaies, investissement dans l'immobilier. C'est pas moi qui en parle, c'est des experts qui sont venus dans la formation pour vous dire, pour vous partager des infos, quoi, hein, pour passer à l'action. Donc, si jamais tu veux savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Ok, et tu pourras avoir un appel offert gratuit avec un membre de mon équipe, il va te rappeler. Ok, vous allez pouvoir parler business, tu poses des questions par rapport à Pirate Marketing. Si Pirate Marketing ça t'intéresse, tu pourras passer à l'action. Et ça prend un an, non, 2 ans à 5 ans pour pouvoir être libre. Ok, il n'y a pas de magie du jour au lendemain, riche du jour au lendemain, ça n'existe pas chez moi. Okay, essaye de voir ailleurs, sur les autres chaînes, peut-être, on verra. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, 2 à 5 ans pour tous les business pour pouvoir devenir libre. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, trop technique, j'ai redoublé dans le quartier des pyramides. Arrêtez de chialer, les gars. Si jamais tu fais rien, il va rien se passer, c'est aussi simple que ça. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Donc, apparemment, il y a une fitness TikToker qui s'est plaint d'un gars qui n'arrêtait pas de la mater comme un pervers, on va dire, parce qu'elle dit starred. Un truc comme ça, donc genre la maté que genre le gars, tu vois, elle est pas à l'aise quoi. Elles se sont agressées. On est des femmes, on peut même plus se promener dans la rue, on peut plus rien faire, tout ça, machin. Donc du coup, je me suis dit, ah ouais, ça doit vraiment être grave et tout. Et donc je me suis renseigné un petit peu, tu vois, j'ai regardé et je me suis dit, là, je vais partager avec toi parce que je suis tombé sur le podcast de Candace Owens podcast où elle traite en fait le sujet et je voulais partager ça avec toi. On va regarder ça ensemble et après, je te dirai ce que j'en pense. Best story is regarding a girl named Jessica Fernandez, who has taken to Twitter and to TikTok to recount a horrific experience that she had at the gym. I'll read you her tweets. She wrote, "This guy kept making me extremely uncomfortable at the gym. This is why I'll end up crying on stream because I feel so grossed out at times with the amount of sexualization I experience. Hopefully, this spreads awareness for girls who experience this type of treatment at the gym." She also tweeted, "I mind my business and make sure to look unapproachable because I am only there to film gym vlogs and work on my profession in the gym. I wouldn't be doing this for attention at all. I don't trust random strangers. No person should. You don't know their intentions. I can see how this makes me look like I have an inflated ego, but I am an attractive girl in a beauty standard sense, and I get extremely sexually harassed online, and it makes trusting random strangers that approach me trigger my trauma, which is why I respond this way. I am also extremely antisocial, and being hit on is never a compliment to me. I don't like to be approached. I haven't dated for a year because I despise being sexualized. It happens anyway, and I get frustrated. It's normal for girls to feel this way because it happens often." Yeah, that sounds like a girl who experienced a trauma. Mm-hmm. Definitely, that sounds like a girl who experienced a trauma at the gym, and so, obviously, we all wanted to know, what did this guy do? And thankfully, she had the video. She was recording him. You're not going to believe it, guys. He glanced at her, I think, 5 times. Let's actually just watch this video because it's just so insane. "This is how to not approach girls at the gym. I hate this. It makes me so uncomfortable. Feral. He's glanced, and she's screaming, feral. You can even catch people in the act. Oh, this is nothing. It's a lot of time passing. Okay, we're going to move on to the thing 5 now. I want you to watch very carefully." He has not looked at her. Oh, my gosh. He stared. He did not stare, actually. He glanced. She caught him glancing her way. And if you're wondering why he's glancing, he's now glanced about
four times. He walks over and he asks her if she needs help putting the big weight on the barbell. And she says no. And then you don't see him again. So he comes over, you see him glance about five times as she's starting to adjust the weight. And he comes over and he asks her, do you need help? And she says, no, I'm fine. It's all good. It's all fine, whatever. And she's having a full internal breakdown, calling him feral, feral, feral. So much so that she took to Twitter to document this man essentially being kind and asking her if she needed help with the weight. I mean, how do people not feel compelled to defend men when circumstances like this happen? This guy is at the gym minding his business. When you're at the gym, you will glance the other way. I have glanced people in the gym. Sometimes I'm just watching a guy with his weights. I'm like, is he really going to be able to lift all that? And I'm glancing five times. I mean, these were not stares. A stare would indicate that he had to have held the look for longer than 3 seconds. He doesn't. It's a glance, as in checking your surroundings, but it's her way. And then he sees her with this very big barbell, offers if she needs help. She says no, and he walks away. We never see him again. But this has represented some trauma for her. Maybe something's happened to her, you're thinking. Maybe something happened in her history that makes her fearful of men. Don't mind the fact that she is dressed in the shortest possible shorts that she could possibly find to go to the gym. I'm not saying she can't, but I'm saying for someone that says she absolutely hates all forms of attention from men, you would wonder, why would you wear this, right? Are you expecting people not, a woman, I would look at a person that was wearing shorts that was this short, right? Just because, like, I'm wondering how far can you get that up your butt before you have a wedgie. So it's just, I'm curious, how far are you gonna be up before you have a wedgie? I'm not trying to sexualize her, I'm just, you know, curious. Just curious. But no, guys, it gets worse. So Jessica Fernandez, who was so traumatized by this man glancing five times and then asking her if she needed help with her weight, turns out that if you want to, you can subscribe to her fan house. If you're wondering what fan house is, you can pay $9.99 a month. Here is actually what she's pinned to her fan house. Hey everyone, welcome to my fan house. From group chat to the community, to direct messaging me, respectfully please, to pay-per-view content and special requests. Rather than the tiers on Patreon where you wait for content, you can get it how you want, when you want. I hope this platform is able to bring the community together and provide a place for friendships to blossom. Friendships she's looking for as she is dressed in a Playboy Bunny costume. Yeah, she's in a Playboy Bunny costume, holding her breasts, wearing stockings, and bending over with bunny ears. You guys know how much I hate bunnies. Well, Jessica Fernandez is wearing bunny ears. And by the way, I want to be very clear. Even though she's dressed seductively, holding her breasts, and wearing a Playboy Bunny costume in this pay-per-view subscription service fan house, she does not want your attention. If you think she looks a little suggestive there, then the fault is on you, because what's wrong with you? Why would you look at a girl in a Playboy Bunny costume? Everybody knows the Playboy Bunnies were doing things that were highly moral at Hugh Hefner's house. They moved in with that 80-year-old millionaire and hopped around like bunnies and kissed him and were called themselves his girlfriend, because they were setting the bar for morality, because they were deeply faithful Christians, that's why. And if you think otherwise, if you've maybe watched a documentary and saw that they were all on drugs and they were all sleeping around, and a lot of these women went on to speak about all the disgusting things that they did, shame on you, because Jessica Fernandez is not wearing that costume for that reason, just like she doesn't wear her booty shorts, barely booty shorts, for that reason as well. She does it because she's scared of guys. All I can say to that, Jessica, is you are the reason I hate modern feminism, and you are the reason that people like Andrew Tate exist. I'll guarantee you know that guy's probably listening to you. He's probably listening to Andrew Tate in his ears, who is saying it's okay to be a man because you have people that are pretending that everything you do makes you a predator. You're not allowed to exist. If you glance, you are wrong. So when somebody comes around and says, no, you are right, and gives you the opposite sort of extreme, it's likely that men are going to lean toward that because women are acting insane. She's everything that is wrong with modern feminism. I'm sure she'll get a bunch of subscriptions for people to not look at her in her Playboy Bunny costume. Donc voilà les gars, c'est voilà la pensée qu'elle a partagée par rapport à ça. Je pense qu'elle a déjà bien couvert tout le sujet. Non mais enfin, c'est un truc de malade quoi. Le gars en fait, déjà, c'est un truc de malade parce que la caméra, elle est axée sur lui, déjà. Comment tu fais même toi pour voir que soi-disant
Parce qu'il y a une différence, je sais pas comment ça a été traduit, mais il y a une différence entre star, c'est vraiment genre le gars il regarde. Tu vois, il regarde genre il fixe longtemps, tu vois. Non, le gars il jette un coup d'œil comme ça, il regarde. Bah ouais, c'est comme tout le monde en fait. Enfin, comme elle a dit, moi je suis une femme aussi, bah je regarde. Ça veut pas dire que genre j'ai envie de te gérer ou j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Non, bah tu regardes vite fait comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, si on peut même plus regarder. À un moment donné, si jamais tu peux même plus jeter un coup d'œil sans que les gens ils disent que ouais, t'essayes, tu m'as harcelé ou tu t'as fait un regard insistant. Donc il y a une caméra, elle arrête pas de faire du bruit. Oh, fair. Je sais pas, on dirait, elle agit comme une ouf. D'ailleurs, j'ai mis fitness dans le titre, mais clairement, on est tous d'accord. Hein. Je pense que les gars, on est tous d'accord pour dire qu'elle est déjà, elle se la raconte genre ouais, elle est tellement fraîche que c'est très difficile, vous vous rendez pas compte ma vie, je suis trop fraîche. Ça, c'est les meufs qui ont trop d'attention, tu vois. Ça, c'est Instagram, Tinder, etc. Elle est ok, tu vois. C'est même pas, c'est parce que genre elle a fait cette vidéo là et que je trouve qu'elle était quand même très maladroite, qu'elle voulait tellement d'attention, ou je sais pas, voulait faire le buzz. Mais c'est qu'elle, bon, elle est ok, tu vois. Je veux dire, c'est pas le bon mot, tu vois. Quand tu l'écoutes parler, c'est fitness modèle de malade. Elle a mis quoi? Elle a mis enfin, le hip thrust, elle a mis combien là? C'est deux poids de 20 kilos. Je sais même pas si, enfin, c'est rien. Franchement, c'est rien du tout. Le gars, j'étais juste un coup d'œil. Déjà pour toi-même, t'as dû le regarder beaucoup plus de fois pour. Si jamais lui aurait dû, il avait mis une caméra et devait compter le nombre de fois qu'elle l'a regardé, mais ça aurait été beaucoup plus que 5 fois. Okay, parce que pour pouvoir voir qu'il a jeté un coup d'œil, parce que c'est des coups d'œil rapides, hein, genre il regarde, ben, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, la meuf elle part toute seule, elle fait du hip thrust, et en plus tu sais comment tu galères, parce que c'est pour ça qu'il est venu d'ailleurs après. Il est venu pour pouvoir en fait l'aider, c'est pour ça que j'ai mis bon samaritain. Le gars il est venu pour pouvoir l'aider parce que quand tu fais le hip thrust comme ça, c'est super relou pour pouvoir changer des poids. Quand genre quand la barre elle est comme ça là, à terre comme ça, pour pouvoir changer des poids, c'est galère. Même moi je galère. Donc on sait tous comment c'est galère de pouvoir faire ça. Mais tellement c'est pas une meuf de fitness, elle y a même pas pensé, tu vois. Elle dit ah non, elle vient me parler. non, ça va, je peux me débrouiller. Donc déjà, je pense pas que ce soit une fitness girl, mais bon. Donc ça c'était le premier truc que je vais dire. Donc déjà tu veux pas l'attention, mais tu mets d'ailleurs elle l'a dit Candace, comment on dit Candace. Elle l'a dit aussi, enfin je veux dire tu mets un shorty. Mais tu veux l'attention, mais tu veux pas l'attention des hommes. Genre tu te sens pas bien, t'en as marre, la vie est dure d'être une femme. Je mets mon shorty, les gars ils regardent vite fait. C'est trop dur en fait. C'était genre si tu veux pas l'attention, bah tu t'habilles en conséquence. Si réellement, si jamais elle va être alignée avec ce qu'elle dit. Okay, tu as dit ouais non mais attends, on a le droit de s'habiller comme on veut, c'est pas pour ça qu'on doit machin que oui je suis d'accord et je valide sur le fait que les gars si jamais ils regardent comme ça genre ils fixent comme ça bien le squat, hein. Ah, non, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais le gars, là, il n'a même pas regardé. Il jette un coup d'œil comme ça. Moi, je suis à une salle de sport. Les meufs, elles ont des shorties. Bon, je ne pense pas qu'elles se plaignent sur les réseaux, tout ça. Mais il y a des meufs, par exemple, qui ont des pets boules. Mais genre, le truc, il rentre à l'intérieur. Le truc, il rentre à l'intérieur, gars. Comment tu veux pas regarder? Ça veut dire que quand la meuf, elle passe, tu es obligé de. Tu t'es même pas à l'aise, t'es obligé de genre, c'est pas que ça me déplaît, on va pas se mettre non plus, mais t'es obligé de te tourner carrément pour faire genre, ouais, ben moi non, je regarde pas, tu vois. Parce que la meuf, elle est là, sinon, les journées, je vais dire, quoi, tu regardes, t'es un pervers, tu vois. T'es obligé de te tourner, ça devient ridicule, tu vois. Et la meuf, de là, je suis en train de penser, elle a genre, elle a un t-shirt long, tu vois, c'est un t-shirt long qu'elle a, mais elle le retrousse. au niveau des fesses pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc après, je ne dis pas que ça, c'est ce qu'elle, elle a fait, mais c'est pour te dire. Donc, et par contre, il y a d'autres meufs que j'ai vues qui ont des cuisses sérieuses, OK, et qui ont un t-shirt long. Donc elles ont un shorty, mais le t-shirt, il recouvre tout. Alors, je ne dis pas qu'elle est mieux qu'une autre. Je dis simplement qu'à un moment donné, on est des êtres humains, on est des hommes, en fait. Donc, on est attiré par les femmes. Ça aussi, c'est une exclusivité pour les gens qui auraient oublié dans tout ce truc de MeToo, je sais pas quoi, ou de trucs de féministes là. On est des hommes, donc c'est normal qu'on soit attiré par la femme et qu'on soit attiré par le corps de la femme. Donc plus tu vas montrer ton corps, plus tu vas attirer l'attention. Mais je pense que t'es au courant ou si vraiment, ou sinon vraiment, tu te moques de nous en fait. c'est vraiment. Mais de toute façon, je pense que c'est un shit test géant. Le féminisme pour moi, c'est un shit test géant. C'est pour voir vraiment jusqu'où elles peuvent genre. Ah, il dit rien. Ah, allez, on peut continuer. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que ça devient ridicule. Donc oui, exclu total.
En exclusivité sur cette chaîne, je vous le dis, les hommes sont attirés par les femmes. Voilà. J'espère que j'ai choqué personne. Donc, si une fille monte son fessier, les gars, ils vont regarder. Voilà. Voilà, où on en a, voilà jusqu'où on en arrive maintenant aujourd'hui. Voilà jusqu'où on arrive. Donc, ouais, donc, y a des meufs dans ma salle, elles ont un t-shirt long. Et voilà. Et sachez, les filles, en plus, qu'on sait qu'elle est fraîche. Voilà. Pas besoin, même si elle a un t-shirt long, on sait qu'elle est fraîche. Mais au moins, elle, quand elle passe devant moi, ben, j'ai pas besoin de me dire, ah, vas-y, il faut que je regarde pour pas qu'on dise que, tu vois, elle passe, voilà, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. Bien qu'après, je suis en train de me plaindre des filles qui mettent des boutis serrés qui leur rentrent dans les fesses au point où je pense que personne ne peut respirer. Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est surtout le truc de « Ah, si jamais je regarde, ah, elle va dire que je ne sais pas quoi, tu vois. » Bon, après, là où je suis, je ne pense pas qu'on ait ce problème-là, ce genre de problème. Là, je suis en Colombie. Je ne pense pas qu'on ait ce genre de problème. Mais ça devient quand même ridicule parce que c'est le même principe aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est tout ce que je veux dire par rapport à ça. Et oui, je le rappelle, voilà, que les hommes… oui, ils vont regarder, c'est normal, voilà. Et que comme tout, comme les femmes regardent aussi les femmes, regardent, jettent un coup d'œil. Plus tu vas attirer l'attention, bah, tu t'habilles en conséquence, plus les gens vont te regarder. Tant que c'est pas des regards pervers, genre, yeah, c'est bien le squat, genre, oui, là je suis d'accord. Mais quand, tant que c'est normal, bah, le gars il te regarde, bah, c'est normal, encore heureux. Enfin, c'est le principe de, c'est le principe de la reproduction de l'humanité. C'est-à-dire le gars, il voit que la fille, elle est bien, il la regarde. Ah, elle me plaît, elle. Tiens, c'est la première étape avant d'aller l'aborder. Hein? Après, il va l'aborder. Et après, il vécure heureux et a eu des enfants. C'est comme ça depuis le début de l'humanité. Alors, je sais qu'il y a des féministes qui vont dire « Non, mais nous, on ne veut pas que vous nous abordiez. On ne veut pas que vous veniez nous voir. » Si on devait écouter vos conseils, les filles, ça fait longtemps qu'on aurait été déjà envahis. Hein, que notre monde ce serait déjà effondré, que Poutine serait déjà arrivé. Il leur dit « Ah, ben, c'est faible ici. » Bon, ça c'est une petite blague, hein. Ne le prends pas au premier degré. Mais bon, même si je suis sérieux au niveau des conseils, hein, des féministes, hein, évidemment. Bref, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ah ouais, autre truc aussi que je voulais te montrer, je crois qu'il y avait des commentaires qui étaient pertinents. How would you know he was looking at you if you weren't literally staring at him and recording him? Donc ça, c'est tout à fait. Très bonne remarque. Il dit que comment tu sais qu'il est en train de te regarder si toi, tu n'étais pas littéralement en train de le... Ben justement, staring, ça veut dire vraiment le regarder avec insistance. Effectivement. C'est elle qui est chelou. Si on est honnête, bah oui, parce que lui en plus il regarde vite fait, c'est genre, mais je sais comme la manière dont il regarde en tant que gars à la muscu, je sais c'est quoi, c'est genre, tu sais, il regarde déjà, fait du bruit, tu fais du hip thrust, donc il jette un coup d'œil, tu vois, c'est normal, tu vois, et en plus il sait que c'est galère le hip thrust, tout ça, pour pouvoir retirer les poids, donc après il est venu pour pouvoir l'aider. Parce qu'il voit qu'elle galère, la meuf elle a 10 kilos, 15 kilos, je sais pas combien elle a sur chaque côté. Elle a pas l'air d'être une fitness comme elle le prétend. Hein. Elle a qu'à faire de This is why I have a gym at home. Donc voilà. C'est antisocial. Ah ouais, j'avoue, bien joué. En gros, il dit c'est pour ça que moi j'ai une salle de sport chez moi. Et si jamais t'es tant antisocial, eh ben, elle serait genre. Elle aurait aussi une salle de sport chez elle. Quoi d'autre? I love how she's looking at the man more than he looking at her, but she's the uncomfortable one. Donc en gros, elle dit j'aime comment elle regarde plus le gars que lui il la regarde, mais pourtant c'est elle qui est inconfortable. C'est clair en plus. La meuf, je sais même pas comment le gars n'était pas. Je comprends même pas comment le gars était pas inconfortable. Bah, bref, nous on s'en bat les reins, c'est pour ça aussi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime, un petit j'aime pas si t'as pas aimé la vidéo. Surtout, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que le gars il regardait d'une manière insistante et que genre ça l'a mis mal à l'aise, ou tout simplement que les femmes modernes aujourd'hui. Pourquoi je fais ce genre de vidéo? C'est parce que gars, il faut qu'ils aient une conséquence par rapport à leurs actions. Il n'y a pas de toutes les filles ne sont pas gentilles, comme tous les gars ne sont pas gentils. Voilà. Faut juste arrêter ça. Faut arrêter de taper sur les hommes. Tous mes problèmes viennent des hommes. Je peux plus vivre sans les hommes. Alors que t'arrêtes pas de tout faire pour pouvoir avoir leur attention. Donc du coup les gars, adeptes bah, de la vidéo. Donc apparemment Jessica s'est excusée. Incroyable. C'est tellement rare. Je ne veux pas l'attention. Hein. Je ne veux surtout pas l'attention de personne. Bon bref. Elle s'est déjà excusée, donc on va pas te taper sur l'ambulance.
Donc apparemment, tac. Oh là 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 là, il faut que je traduise tout ça en anglais là. Alors, ma grosse mistake par rapport à la vidéo que j'ai tournée. Donc la grosse erreur que j'ai faite sur la vidéo qu'a tournée, voilà, bref. Ok, donc voyons ce qu'elle a à dire. Une grande partie de mon contenu est légère et humoristique, mais je veux commencer par dire que c'est la chose la plus sérieuse que j'ai jamais postée. Ok, donc ce qu'elle va poster apparemment. Tout d'abord, je tiens à m'excuser sincèrement auprès de l'homme de la salle de sport où tout a commencé. Les gars, franchement, c'est super rare. C'est pour ça qu'il faut le noter. Que quelqu'un s'excuse comme ça, qu'une fille s'excuse par rapport à une vidéo de ce genre. Parce que c'est bien qu'elle s'excuse et tu sais pourquoi? Parce que sinon, il y aurait eu des meufs qui auraient continué à dire non, mais c'est normal, t'as pas vu, il a regardé, vraiment c'était abusé, rien, là. Il y aurait des meufs qui auraient quand même dit non. Tout était normal, il y avait aucun problème, tu vois. Il ne m'a rien fait de mal et j'ai exagéré notre interaction. Oui, un petit peu quand même. Hein. Je sais que beaucoup de gens pensent que je m'excuse uniquement parce que j'ai été critiqué pour la vidéo que j'ai postée et c'est à moitié vrai. Waouh! Les gars, je suis impressionné. C'est impressionné par le fait qu'elle prenne vraiment des responsabilités comme ça. C'est incroyable. Qu'elle assume, c'est ouf. Si je n'avais pas été critiqué pour cette vidéo, je n'aurais pas eu l'occasion d'apprendre de cette erreur ou même de réaliser que j'avais fait une erreur pour commencer. Ça me paraît fou quand même que la meuf, elle se rende pas compte, tu vois. Ou sinon, les meufs, on leur a tellement lavé le cerveau que genre, elles amplifient tout dans leur tête, je sais pas, c'est ouf quand même, tu vois. Parce que quand même, ça se voit que le gars te calculait même pas. Tu parlais toute seule, en plus tu le filmes, c'est chelou, tu vois. Enfin, lorsque j'ai posté la vidéo pour la première fois, j'avais l'impression d'être dans mon bon droit et de faire une bonne tentative de connexion et de relation avec mon public féminin qui peut avoir été confronté à des situations inconfortables à la salle de sport. Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Donc un regard maintenant c'est. Enfin, après, j'avoue, c'est les gars regardent avec insistance. Bon, c'est ce que j'ai dit de toute façon dans la vidéo. Maintenant, après avoir lu des milliers de commentaires sur moi, sur la situation et sur l'homme en question, j'ai vraiment compris à quel point cela a pu lui être préjudiciable. Les hommes et les femmes sont face à des problèmes très différents dans le domaine du sexe opposé. Et après avoir regardé à travers la lentille d'un homme innocent mis dans une situation comme celle-ci, honnêtement, ça m'a rendu malade de culpabilité. Ben, bravo. Franchement, c'est incroyable. Ça veut dire que les gars, elle a eu de. Comment on dit ça encore? La capacité de se mettre à la place de l'autre. De l'empathie. Ce qui est très rare. Voilà, je ne peux pas faire de généralité sur les sexes opposés. Voilà, mais. Ce qui est très rare. Hein? Qu'une femme se mette dans les yeux de l'homme pour comprendre la situation. C'est ouf. Comme quoi, tu vois, on peut s'améliorer, les gars. Avant d'écrire ceci, je postais tout ce qui me faisait me sentir justifié pour la vidéo. C'est mal traduit. On est où là? Before writing this, I was posting whatever made me feel justified for the video, which was wrong. Donc, avant d'avoir écrit ça, en gros, elle dit que elle, en gros, quelle que soit la chose, que dans la manière, elle a écrit tout ce qu'elle sentait, que voilà, pour elle, ça c'était justifié. Bon, je sais pas bien français, mais je pense que lui-même, je pensais que tout ce qui me faisait me sentir justifié, tout ce que je sentais qui était justifié à mes yeux, en gros, voilà, je l'ai écrit quoi. Ce qui était une erreur de ma part, je suis extrêmement immature pour l'avoir fait et pour avoir essayé de rendre légère une situation qui est beaucoup plus sérieuse et qui devrait être prise comme telle. J'ai souffert d'une agression sexuelle et de harcèlement sexuel dans cette situation et dans le passé. Ces événements ont été extrêmement préjudiciables pour moi. Mais alors, mais pourquoi tu rigoles quand tu fais pourquoi tu fais la vidéo? Pourquoi tu rigoles? Ce truc que j'ai. Moi, je sais pas. Si tu fais agresser, je fais pas de vidéo pour faire une blague ou essayer de prendre un gars qui a rien à voir, enfin je sais pas. D'ailleurs, généralement, les victimes vraiment d'harcèlement, elles font pas de vidéo derrière. Elles font pas de vidéo, elles en parlent même pas. D'ailleurs, pour ça qu'on a ce souci-là de on est obligé d'encourager les femmes quand elles ont eu un harcèlement ou un truc comme ça, d'aller voir la police, d'en parler parce que elles en parlent pas. Parce qu'elles ont honte, etc. etc. Donc c'est vrai que quand tu vois des meufs, genre elles se sont fait harceler, mais elles sont là, elles rigolent, ah, elles font des blagues avec ça, elles font des vidéos. Tu dis, bon, tu vois, ou voilà, ça se pose, forcément, tu te poses des questions quand même. De toute façon, on se base sur les faits. Faut arrêter de toujours. Quelqu'un parle, ça y est, c'est l'autre, il est coupable. C'est juste du bon sens, quoi. T'imagines, on disait, ouais, lui, il a tué un tel sans preuve, on l'envoie en prison, on le tue.
dis n'importe quoi. Après avoir parlé avec des amis qui ont été honnêtes avec moi, j'ai pu garder un esprit ouvert et compréhensif. Il a fallu que des milliers de personnes manifestent leur dégoût pour ma façon d'agir pour que j'aie pleinement conscience. Donc t'imagines? C'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo-là. Pour pas que ça passe, quoi. Pour arrêter de laisser passer ce genre de choses, tu vois. Parce que si jamais on n'avait pas fait les vidéos, concrètement, elle n'en aurait même pas pris conscience, en fait. C'est pour ça que c'est important que chacun prenne ses responsabilités et assume, tu vois, quand tu fais des choses qui sont pas bien. C'est pas parce que c'est une femme que tout ce qu'elles font, c'est bon, tu vois. Comme l'homme de la salle de sport ne m'avait rien fait de mal et que je me sentais quand même menacé dans cette situation, waouh, ça c'est incroyable, ça quand même. Ça veut dire que ce que. Attends, j'allais finir la phrase. Comme l'homme de la salle de sport n'avait rien fait de mal et que je me sentais quand même menacé dans cette situation, j'ai réagi en essayant d'y faire face de la pire situation possible. Ça n'a aucun sens, ça. Je suis désolé, hein, je suis compréhensif, tout ça, elle a eu un passé, elle s'est déjà fait agresser, etc. Ok, pas de problème. Mais à ce moment-là, où tu fais ton sport chez toi, à la limite, tu vois? Ou sinon, il y a des salles que pour les femmes. Si réellement tu te sens agressé et puis tu t'habilles pas avec un shorty, tu vois? T'sais, en fait, ce qu'elle dit par rapport à comment elle agit, ça va pas ensemble, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il se sentait réel. C'est là que tu vois, je me sentais menacé. T'imagines? Je me sentais. En fait, la folie du truc de. Comme je me sens comme ça, je le ressentis de me sentir menacé, même si rien n'est justifié, rien factuellement montre qu'elle est menacée, eh ben genre, elle peut dire je me sens quand même menacé. Et c'est comme ça qu'on a des fois des fausses accusations. Hein. Je pense par exemple à Amber Rose, non pas Amber Rose, Amber Heard avec Johnny Depp. Elle a dû se sentir menacée. Mais après, sur les faits, bah, c'était pas une réalité. Mais dans sa réalité, elle a été menacée. Tu vois? C'est plutôt par rapport à ça, pas par elle dans sa situation. Même si c'est ouf quand même qu'elle se sente menacée alors que le gars, il la calculait à peine, quoi. Tu vois, c'est. Mais bon, on peut comprendre, trauma, machin, mais c'est quand même. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi quand même. Mon passé n'est pas une excuse ou une justification pour ce que j'ai fait, mais c'est quelque chose que je veux aborder personnellement. Et professionnellement avec un thérapeute à l'avenir. Mais même ça, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu le filmes en fait? Pourquoi tu veux faire une vidéo? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Si jamais vraiment tu te sens menacé, tu fais une vidéo, t'es bien, tu fais des blagues. Tu dis, oh regarde, il me regarde, il me regarde. Après tu comptes. Bon, c'est un peu limite hein, quand même, je trouve. Mon passé, hein, j'ai déjà vu ça. Parce que je ne veux pas et je ne veux plus jamais blesser quelqu'un de cette façon. Les blagues que j'ai incluses dans le TikTok étaient loin d'être de bon goût et drôles. Ben, comment tu peux. Mais moi, c'est surtout que le fait que tu fasses des blagues, pour moi, ça ne va pas avec le fait que tu dises que tu as été traumatisé, quoi. Enfin, je sais pas, si tu te fais. Si tu te fais. Comment dire. Harceler, à aucun moment, je vois comment tu peux en faire une vidéo et en plus faire des blagues dessus, tu vois. Je vois pas le truc. Enfin, tu te fais harceler, t'es traumatisé, tu vois. À aucun moment, t'aurais dû faire des blagues là-dessus, tu vois. Au contre, enfin, je sais pas. Après, elle a 21 ans. Hein. Je regarde cette vidéo maintenant et je regrette qu'elle ait été postée. Encore une fois, c'est grâce au rappel à l'ordre que m'ont fait Joe Swall et sa communauté. C'est qui Joe Swall? Moi, je le connais pas. C'est une traduction ou c'est vraiment un gars? Où j'en suis là? Ah, ça doit être un gars. Je pense qu'il est important d'interpeller les gens sur leurs erreurs et, comme le dit Joe Swall, de les aider à mieux faire. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, non seulement avec mon contenu, mais aussi avec ma vie. Bah, c'est très bien. Maintenant, ça devient déjà beaucoup à lire et honnêtement, j'ai envisagé de faire une vidéo pour aider à transmettre ma sincérité pour ce que je dis, mais aussi prouver qu'il ne s'agit pas d'un coup de pub ou de moyen de récolter des clics, alors que je pense que c'est la meilleure façon d'exprimer ce que je fais pour aller de l'avant. J'ai donc décidé de retirer les vidéos de toutes mes plateformes car je ne veux pas qu'elles soient diffusées. J'avoue. On en est où là? Nuke Mauve. Donc apparemment Deeple, on peut pas aller jusqu'à je sais pas où là. Putain, mais il est long son texte là. Attends, j'en suis où là? Hop.
Also, the implicit away from clicks. So I decided to remove the videos on all my platform because I don't want this misconception. Donc là, j'ai décidé de retirer toutes les vidéos de toutes les plateformes pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Some people might think this is a way of me hiding the video or sweeping it under the rug, but this text isn't going anywhere. Donc les gens en croient, elle a dit ouais, peut-être que des gens vont peut-être penser que je fais ça pour pouvoir cacher les vidéos, mais le texte qu'elle écrit n'ira nulle part. I eventually decide that there is no real combination of words I could put together to gain the trust of my community and the people who are just discovering me in the worst way possible. Elle a dit qu'elle pense que je sais où là, qu'il n'y a pas de combinaison de mots qui pourrait peut-être gagner la confiance de sa communauté, des gens qui l'ont découvert via cette vidéo, donc de la pire façon. Avec mes 600 followers en TikTok et en tant qu'influenceuse, je prends toutes mes responsabilités to use my platform in the way that spreads love and happiness, de prendre la responsabilité de diffuser seulement de l'amour, de la joie. Et j'ai fait exactement le contraire, voilà, avec cette vidéo. I'm sorry to the men and women who deal with or have dealt with false true allegations. Donc elle dit, je suis désolé pour les hommes et les femmes qui ont dû dealer avec des fausses accusations. And I made their situation felt belittled by mine. Et j'ai fait de cette situation, je l'ai senti, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Par moi. Donc, en gros, elle dit juste, en gros, I apologize to my fans. Donc, je m'excuse pour tous mes fans et ceux qui me supportent et qui m'ont supporté à travers ce bordel. I'm going to just own this mistake. Donc, j'assume cette erreur. J'aime faire du contenu and sharing my experience. Et bah, c'est long ce truc là. Hein? Et partager toutes mes expériences avec ma communauté et les gens en général. J'espère, I'm able to show growth, que je serai capable de montrer que j'ai grandi. Not only in a few days and weeks, but in months and years. Pas seulement dans les prochains jours, semaines ou mois, mais dans les années à venir. I continue to be able to do what I love et d'être capable de continuer à faire ce qu'elle aime. There will be an ugly scare of my character for a long time until I can show that I'm growing. Voilà, pas beaucoup, mais bon. Ce sera une très mauvaise cicatrice dans ma caractère pendant un bon moment. Et je vais montrer que j'ai grandi. Que, en gros, qu'elle se sert de ça comme leçon, quoi. I just hope people give me a chance. Donc, j'espère que les gens vont me donner une chance. So I truly am sorry. Donc, je suis vraiment désolé. I will not just say that I'm sorry, like I'm gonna fix everything. I'm going to show and prove to everyone that this is not who I am and this is not who I'm going to continue to be. Donc elle dit que j'espère que les gens vont me donner une chance et qu'elle est vraiment désolée, qu'elle va montrer aux gens qu'elle va vraiment changer et qu'elle n'est pas la personne qu'elle a montré durant cette vidéo. Les erreurs aident à grandir. And I'm willing to learn and take people constructive criticism where it is needed. Donc elle va apprendre à grandir et d'apprendre des critiques constructives. In hopes of moving on after this situation, I will no longer be discussing the topic any further. Donc en gros, elle va passer à autre chose et qu'elle va plus en parler. Along with that, I will be taking a break from social media until I'm in the right mental space to keep making content. Donc en gros, elle dit qu'elle va prendre une pause sur faire du contenu sur Internet le temps qu'elle se I'm in the right mental, que se sente bien dans sa tête. Merci de m'avoir lu. I love you y'all. Et elle dit PS, I don't have an OnlyFans. I have a fan house. Which is a SFVW website where I connect with my supporter. Et là, bon, ok, donc ça a dit, j'ai pas de post-Christian, je n'ai pas de OnlyFans,
J'ai juste un fan house, machin. Bon, cela revient, ça revient même. Hein. Essaie d'assumer tout, tout. À un moment donné, si tu t'habilles je sais pas comment ça s'appelle là. Si tu t'habilles en bunny, hein, faut arrêter quoi. Donc, ouais, donc. J'en dirai pas plus. Voilà, c'est bien, elle s'est excusée déjà. Elle assume. Et puis, tu vois, les gens sont tellement fait laver le cerveau qu'aujourd'hui. Je peux comprendre que les meufs, elles se rendent même pas compte quand elles vont trop loin ou quand elles vont pas trop loin. Bref, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, donc je suis content. Parce que il faut que lorsque quand il y a des gens qui font n'importe quoi, faut en parler. Sinon, personne n'assume quoi que ce soit. Donc voilà, bref, je pense que la vidéo alors était assez longue avec le dept. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés.